La culture digitale, c'est aussi aplatir en fait les organisations. Et c'est vrai qu'on est très centré, enfin dans la référence au CV, au recruteur un peu tout puissant, qui a le choix dans un certain nombre de profils, alors que finalement le CV, c'est bientôt l'employeur qui va devoir le faire dans des formes peut-être effectivement avec les mêmes codes et en se posant les mêmes questions que les étudiants ont eu à se poser pour attirer les talents ou des expertises. En tout cas, le fait de se mettre à la même distance, dans le même rapport, sont des évolutions attendues dans les modes de fonctionnement, d'ailleurs, que l'on cultive dans les grandes organisations ou les petites entreprises agiles. Ouais.